Vivre au milieu des bois ou sur une île perdue au bout du monde, ce sont les fantasmes d'une vie simple à la Robinson Crusoé qui refont surface. Et bien de doux rêveurs ont traversé des océans, investi des forêts pour vivre, isolés, loin du monde, une vie en pleine nature. C'est aux quatre coins de la planète que nous les avons rencontrés pour partager leur quotidien sous le signe de l'éco-habitat et du bien-vivre. Sur l'île Fogo, au Canada, des ateliers face à la mer accueillent des artistes du monde entier qui viennent ici trouver l'inspiration dans un endroit hors du commun. En Finlande, un couple quitte la ville dès qu'il le peut pour se retrouver seul au monde dans leur petite cabane au fond des bois. Partons maintenant dans une forêt à l'est de la France où commence notre découverte des habitations isolées de tout.